tous. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir pourquoi sommes-nous éternellement en train de recommencer la même chose? Pourquoi nous ne retenons pas ce que nous vivons comme des expériences? Pourquoi nous faut-il autant, des fois, de temps pour intégrer tout ce que nous expérimentons? Pourquoi nous faisons du surplace? Grosse question. J'ai pas toujours la réponse. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je vais parler de la fleur Chestnut Bud. Donc la voici, la fleur Chestnut Bud, eh bien c'est du bourgeon de marronnier blanc. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous ai déjà parlé de la fleur White Chestnut, qui est donc la fleur qui est la préoccupation mentale, hein, la cogitation, tout ce qui rumine et qui nous empêche d'être complètement à nous-mêmes, hein, ce qu'on est en train de faire, hein, c'est-à-dire qu'on peut manquer de concentration dans ces moments-là, parce qu'on a la tête trop pleine de choses à faire, ou à penser tout simplement. Et là, Chestnut Bud, c'est un bourgeon. Le bourgeon de marronnier blanc. Et donc le bourgeon, qu'est-ce que c'est que le bourgeon? En fait, c'est l'arbre en devenir, puisque dans un bourgeon contient eh bien, la graine, donc le fruit, enfin la fleur, le fruit, et tout ce qui va participer à l'évolution de cet arbre ou de cette plante. Parce qu'un bourgeon, c'est plutôt un arbre, et donc les bourgeons contiennent évidemment l'arbre en devenir. Donc il y a toute l'expérimentation qui est à l'intérieur de ce bourgeon, qui est déjà ancré comme un patrimoine historique, en tout cas on pourrait dire une sorte d'ADN qui fait que l'arbre il se souvient que voilà, ça se passe comme ça, et que ce cycle va se répéter, et que ça va être un cycle vertueux, puisqu'on va être dans l'éclosion. Pour pouvoir justement la pérennité de l'espèce, etc. Donc ça, c'est l'arbre, c'est la physiologie, mais en termes analogiques, on va dire sur le plan émotionnel. Alors j'ai envie de vous lire comme d'habitude le texte de Bach, hein, parce que je reviens toujours aux sources, c'est quand même le plus important. Donc avant de vous parler de ça, je vous rappelle aussi que Chestnut Bud, eh bien, cette fleur, elle a été classée dans le groupe émotionnel du manque d'intérêt pour le présent. Et donc ceci explique cela, c'est-à-dire que Chestnut Bud, dans ces moments-là, eh bien nous ne sommes pas tout à fait présents à nous-mêmes, et c'est la raison pour laquelle cette fleur se trouve dans cette famille, hein. C'est une des raisons en tout cas. Donc je vais vous lire le texte, si j'y arrive. Voilà, pour ceux qui ne profitent pas pleinement de l'observation et de l'expérience, et qui prennent plus de temps que les autres pour apprendre les leçons de la vie quotidienne, alors qu'une seule expérience serait suffisante pour certains, ces personnes éprouvent le besoin d'en avoir plus, parfois plusieurs, avant que la leçon ne soit apprise. Ils se voient donc obligés à regret de refaire la même erreur à différentes occasions, à regret. De refaire la même erreur à différentes occasions, je relis ce que je viens de dire, super, alors qu'une seule fois aurait suffi et que l'observation des autres aurait même pu leur épargner cette faute-là. Chestnut Bud, donc, elle se trouve dans le manque d'intérêt pour le présent, et du coup, elle est dans cette répétition de tout ce qu'elle expérimente une fois, mais qui est vraiment quelque chose qui n'est pas acquis, en fait. C'est comme si. Alors, je donne cet exemple parce que en fait, j'ai donné dernièrement dans un cours que je donnais donc en visio, un cours à distance. Si je me prends les pieds dans le tapis, normalement, vous allez me dire, j'ai pas besoin de fleur de Bac pour ça. Ben non, mais quand même, c'est parlant. Si je me prends les pieds dans le tapis une fois chez moi, la plupart du temps, si je tombe, en tout cas si je suis en déséquilibre et que je tombe, j'ai envie de me souvenir quand même qu'il faut que je fasse attention, que je mets les pieds la prochaine fois. C'est ok, c'est une expérience. Si je me reprends les pieds dans le tapis, là, je peux quand même me dire, c'est quand même dingue, je me suis pris déjà les pieds dans le tapis tout à l'heure, hier, la semaine dernière. Et là, si je me recasse la figure ou si je repère l'équilibre, je pourrais quand même considérer que ça fait quand même la deuxième fois que je vis la même chose. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Si je me prends les pieds dans le tapis une troisième fois, là, il y a un problème. Il y a déjà la deuxième fois, on pourrait considérer que si je suis tombée et si je me suis fait mal, admettons, je ne me suis peut-être pas fait mal non plus, hein, mais l'expérience, elle est ce qu'elle est. Là, je pourrais quand même me dire au bout de la troisième fois, là, il y a un gros problème. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a ce tapis dans la maison,
Qu'est-ce que tu fais pour arriver à te recasser la figure ou en tout cas manquer d'équilibre? Et là, je ne suis pas présent à moi-même pour le coup, parce que ce tapis, il existe bien, je suis bien chez moi, quand même, je connais la situation, et je sais que ce tapis glisse, ou du moins, ou les chaussures avec lesquelles je marche, etc., le sol sur lequel le tapis est posé. Donc, il y a tout un mode de réflexion qui fait que si je suis tout à fait à moi-même, hein, donc manque d'intérêt pour le présent, hein, là, je ne suis pas tout à fait dans la situation, puisque je pose le pied au sol et que je glisse et je tombe. Donc là, eh bien, il y a une expérience qui n'a pas servi d'expérimentation suffisamment probante, en tout cas, où même si la chute est douloureuse et qu'il y a des hématomes derrière, eh bien, ça m'a peut-être pas servi de leçon justement pour que je pose le pied différemment. Est-ce qu'il faut que je change de chaussure? Est-ce qu'il faut que j'achète un tapis sous-tapis antidérapant? Est-ce qu'il faut que je change de tapis? Est-ce que je dois contourner le tapis? Est-ce que je dois mettre des poids sur le tapis? En tout cas, toujours est-il qu'il faut que j'arrête de me prendre les pieds dans le tapis. Eh bien, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, super, je ne prends pas des fleurs de Bac pour un tapis. Bah si, il y a des moments où si je fais une chute, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, là, il y a un souci. Je cite souvent cet exemple parce que ça m'est arrivé de nombreuses fois. Maintenant, je prends beaucoup de chestnut butt, donc je suis dans l'évolution. Mais je me suis aussi beaucoup brûlée avec des fer à repasser, par exemple, brûlée moi-même parce que j'étais pas assez à droite, parce que je faisais pas assez attention à ce que je faisais, et puis répétition aussi de brûler des vêtements parce que voilà, le fer était trop chaud. C'est un exemple, bien entendu, c'est pas très grave en soi, mais ça peut aller plus loin aussi, hein. Et ce qui est intéressant dans cette expérimentation-là, c'est de se dire, mais comment ça se fait que je répète les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie aussi d'intégrer le fait que bah, le tapis est posé à cette disposition, etc., etc. Alors voilà, encore une fois, c'est une analogie. Et si je prends des exemples aussi bateaux, on va dire aussi simples, c'est pour ne pas parler de tout ce que nous vivons dans la vie au quotidien en fait. On a tous des zones d'ombre par rapport à cette négligence que nous avons face à la réalité de ce que nous vivons dans cette non-perception de l'ici et maintenant. C'est comme si on avait des micro-amnésies en fait, hein, ou des micro-absences, et qui nous permettent de carrément, comment dire, aller effacer tout ce qu'on a pu vivre, et puis on recommence comme si c'était la première fois, alors qu'on a déjà l'expérience acquise en nous. Eh bien, ce que nous avons vécu au préalable, nous n'en tenons pas rigueur et nous ne sommes pas suffisamment présents à nous-mêmes pour pouvoir faire quelque chose, un arrêt sur image, un état de conscience, une hyperacuité à ce que nous vivons, au point de se dire là, maintenant, ça suffit, j'ai envie d'évoluer. Quand on fait du surplace comme ça, c'est-à-dire que quand on reprend toujours les pieds dans le tapis, eh ben, c'est pas une marque d'évolution, hein. Pour le coup, on est vraiment dans quelque chose qui nous freine et on ne va pas se mettre à changer la situation. Quand on prend l'exemple des sportifs, quand ils ont fait, ben, je ne sais pas moi, des chronomètres, par exemple, qui sont inférieurs aux attentes, voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, en natation synchronisée ou je ne sais quoi, eh bien, toutes les erreurs acquises au cours des entraînements sont mises à profit, justement, pour pouvoir améliorer les temps. Bah alors, ça va être des mouvements, ça va être de la respiration, mille et une choses qui fait que dans son sport, on va améliorer. Pareil pour la musique, pareil pour la peinture, pareil pour mille et une choses. Mais pareil pour nos relations aux autres. Pareil sur nos façons de penser, pareil sur nos relations affectives, pareil sur notre mode d'alimentation, pareil sur bah justement sur la prise en compte de notre santé, de notre corps, et puis peut-être au niveau de la planète aussi, hein, peut-être actuellement tout ce que nous vivons, il y a peut-être aussi des expériences qui n'ont pas été acquises. Depuis la nuit des temps, il s'est passé des choses dans l'humanité, des événements, de l'histoire qui nous ont prouvé, par A plus B, certains événements auxquels nous n'avons pas non plus envie de faire cet arrêt sur image et ce focus qui nous permettent aussi d'évoluer et de comprendre que nous devrions, entre guillemets, aspirer à cette sagesse qui nous permet de dire, ben voilà, j'ai vécu ça, donc j'arrête de me comporter de cette façon-là.
et d'agir ou de penser ou de dire aussi des choses, toujours la même chose qui revient tout le temps en boucle en fait et qui n'évolue pas non plus dans notre forme et qui fait que nous n'apprenons pas. Alors Bach, il parle, vous avez vu, hein, aussi de l'observation des autres. C'est-à-dire qu'il n'est pas toujours question de nous-mêmes avoir vécu des expériences qui nous permettent de comprendre que. Et vous avez déjà remarqué des situations, alors ça peut être bien sûr des situations de grossesse, des situations affectives où quelqu'un va nous parler de sa propre grossesse ou de sa propre vision, de sa relation au couple, etc., ou au travail. Et lorsqu'on entend les témoignages de certaines personnes, on se dit, ouh là là, mais moi, j'ai pas du tout envie d'agir comme ça. Et donc cette expérience aussi peut se faire évidemment à travers l'observation que nous avons de notre entourage. Ça peut être même des reportages, ça peut être des films, des séries de fiction. Mais toujours est-il que ce que nous pouvons voir, en tout cas de l'autre, à l'extérieur, donc de sa propre expérience, en tout cas en comparaison, puisque des fois on ne peut pas vivre toutes les expériences humaines, mais lorsqu'on arrive et que la vie nous met face à cette expérience, des fois on peut aussi aller d'une certaine façon dans notre disque dur, aller retrouver aussi des étapes de compréhension de l'observation qu'on a fait d'une expérience, quelle qu'elle soit, et de se dire, bah ça en fait, ça a été pris comme acquis chez moi et j'ai pas envie de faire ça en fait, hein. Si on regarde par exemple la cause animale, si on voit de la torture animale et on voit la souffrance de l'animal, bah peut-être que nous, même si on n'a jamais fait du mal à un animal, bah le fait de connaître ça ne nous donne pas non plus envie d'avoir à faire cette expérience pour comprendre qu'on n'a pas besoin de faire mal aux animaux pour comprendre que bah, dans le reportage X, il était dit que tel et tel animal souffrait avec des électrodes, etc. Bon, pas besoin non plus d'être dans un laboratoire pour le comprendre, ça. Donc il y a mille et une choses que nous n'avons pas expérimentées, mais qui nous permettent quand même de voir que cette expérience-là est acquise comme telle, et jamais de la vie, on ne fera de mal à un animal, etc. Et donc depuis la nuit des temps, hein, il y a eu des tortures sur Terre sur les hommes aussi, et on n'a pas besoin de torturer les gens non plus pour savoir que c'est peut-être pas la peine de le faire. Donc vous voyez bien que Chestnut Butte, des fois, peut être pris comme acquise dans certains domaines de nos vies, mais peut-être des fois, on est dans cette sorte de répétition qui fait qu'on n'est pas du tout dans la compréhension de ce que nous vivons en fait. Et alors loin d'être des saints, bien sûr, c'est pas le but, hein, des fleurs de Bac, mais le but, c'est quand même d'être au clair avec soi-même et d'être bien. Et quand on est bien, eh bien, c'est quand aussi, quand on répète pas toujours les mêmes choses, que l'on peut prendre évidemment comme des erreurs, hein, parce que évidemment, quand c'est un cercle vertueux, on n'a pas besoin de se prendre des fleurs de Bac en disant, oh là là, il faut que j'arrête d'être sympa avec les autres, il faut que j'arrête d'être évolué avec moi-même. Évidemment, les fleurs de Bac, elles ne se posent là que lorsque on sent qu'on dessert notre propre cause. Et c'est quoi desservir notre propre cause? Bah, des fois, c'est tout simplement ne pas être dans cet état de joie, de tranquillité, de paix, de sérénité, appelez-le comme vous voulez, quel que soit le mot de vocabulaire que vous allez y mettre, on s'en fiche après tout. Vous êtes votre propre juge et le propre degré que vous avez personnellement sur cette qualification du « je me sens bien ». Et à partir de ce moment-là, bien sûr, je prends pas de fleurs de Bac, c'est pas une grande nécessité. Des fois, juste prendre conscience de son état interne participe aussi, bien sûr, à cette évolution hein, dont nous aspirons tous. Et j'avais envie, bien sûr, de vous parler de ce film que je cite tout le temps. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous le connaissez. Voilà, Un jour sans fin. Avec cet acteur que tout le monde connaît, hein, Bill Murray. Et donc c'est un film qui est une production Walt Disney hein, pour les enfants, en tout cas voilà, les adolescents. C'est un film qu'on peut voir en famille, bien sûr, donc il n'y a pas de scène de violence, etc. Je vous invite vraiment à regarder ce film parce que c'est ceux qui le connaissent reconnaîtront bien Chestnut Bud à l'intérieur. Je vais vous faire, sans vous faire tout le teasing, mais enfin, tout le teasing, toute l'histoire, mais c'est un journaliste qui va se retrouver avec toute son équipe technique, journaliste télé, devant les caméras et devant un auditoire de gens qui sont autour de lui parce que bah, il est super connu comme journaliste et il va faire le lever de la marmotte, je ne sais plus où, au Canada, aux États-Unis, enfin bon, bref, au nord des États-Unis. Il va vivre cette journée pour la préparation de ce show qui se fait à la télé. Et puis, eh bien, voilà, la journée s'achève et le réveil sonne. Et cette personne va revivre cette journée plusieurs fois jusqu'à ce qu'il comprenne
qu'il est tout le temps dans la répétition de ses schémas de pensée, de ses attitudes et de son comportement qui est préjudiciable. Alors préjudiciable, eh bien, parce que ça a des effets délétères et collatéraux sur son comportement qui n'est pas toujours louable. Alors évidemment, il a tous les défauts de la Terre, hein, et c'est quand même plus caractéristique pour faire un film d'humour, parce qu'évidemment, c'est un film humoristique, traité avec beaucoup de joie, mais ça nous parle quand même de qui nous sommes, c'est-à-dire qu'on peut se reconnaître à travers cet acteur et à travers ce film, sur tous nos aspects, des fois les plus minables soient-ils, mais de ces petites répétitions qui se font, et cette personne-là, tant qu'elle n'évoluera pas, la situation n'évoluera pas non plus. Et donc, on est tous dans des postures de « je veux ceci, voilà, je me mets en blanc et je fais des mantras », mais des fois, c'est super simple, en fait, d'être bien avec soi-même. C'est opérer ces changements. Et ces changements-là, bah, il faut en être conscient. Et dans cet état de conscience, bah, c'est ce que dit Bach aussi, manque d'intérêt pour le présent. Et cette inconscience-là, entre guillemets, elle est aussi liée à cette déconnexion aussi de ce qui est, ce qui nous entoure. Être présent à soi-même, c'est aussi être présent à tout ce qui se passe. Hein, et tout ce qui se passe, c'est aussi l'environnement, ce qui se passe en interne, à l'externe, et avoir une espèce de regard à 180 degrés, voire 359 degrés. En tout cas, voilà, j'ai pas la réponse absolue. Voilà, moi, je chemine aussi en prenant cette fleur de nombreuses fois, souvent parce que je suis aussi dans ce manque d'intérêt pour le présent et je me prends les pieds dans le tapis sur différents aspects de ma vie, bien entendu. Des fois, ça peut être des micro-choses du quotidien qui peuvent aussi être très polluants et handicapants, on va dire. Mais des fois, ça peut être des choses plus toxiques hein, en nous qui nous met en éveil de cette stagnation, de cette répétition perpétuelle de qui nous sommes et qui nous empêche vraiment d'être dans ce désir aussi de progresser, de passer à autre chose et puis de cette hyper vigilance. Alors c'est pas de traquer, parce qu'encore une fois avec les fleurs, vous savez que c'est une subtilité incroyable, c'est-à-dire qu'on peut prendre Chestnut Bud et on n'est pas forcément dans ce quand je dis ça, hyper vigilance, d'un second on va dire ça y est, elle va être dans un espèce de nombrilisme perpétuel à s'observer. C'est pas ça du tout en fait, ça se fait. C'est très difficile de parler des fleurs de Bach sans poser deux mots, parce qu'évidemment, là, je communique, il faut bien que je parle. Mais faites l'expérience, vous allez voir sur quelque chose qui vous énerve, vous posez systématiquement ça, là, et à chaque fois, ça tombe, ou à chaque fois... Mais des petites choses du quotidien qui... Je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, vous laissez votre véhicule sous tel arbre et à chaque fois, il y a de la résine qui tombe. C'est vraiment tout con, on s'en fout a priori, mais non. Après, il faut aller racler le pare-brise, c'est compliqué. Eh bien, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et on se dit, bon, stop. Eh ben, essayez vous-même sur des petites choses et vous allez peut-être, enfin en tout cas, j'espère pour vous, comprendre à travers la prise de la fleur comment ça pourrait évoluer aussi chez vous. Et bien, encore une fois, il n'y a pas de réponse à proprement parler. Et pas couper un arbre parce que justement il y a de la résine. Et bien sûr que peut-être qu'à un moment donné vous aurez peut-être l'intention de mettre une bâche hein, si vous n'avez pas le choix, ou mettre votre véhicule ailleurs. Alors je donne des exemples encore une fois très bateaux hein, mais peut-être que vous allez trouver aussi chez vous, peut-être après cette vidéo, je vous invite aussi peut-être à vous mettre sur silence votre téléphone sur avion et puis prendre un papier, un crayon et noter peut-être tous les moments chez vous qui se répètent comme ça, même des formes de pensée, hein, des mécanismes aussi de répétition du mécanisme de « un tel, il est comme ça » et on se remet dans la posture de toute façon, ben non, il y a des fois on peut aussi changer et se mettre à penser différemment aussi grâce à cette fleur. Donc voilà, eh bien écoutez, à dimanche prochain, j'allais dire à samedi maintenant, dimanche prochain, là on est samedi, je suis en train de tourner, donc non, nous ne sommes pas, vous regardez, on est bien dimanche. Je dis n'importe quoi parce qu'il y en a qui reviendront mercredi, mais comme je dis dimanche, et ben pourquoi? Parce que j'ai une vidéo tous les dimanches à 10h qui est en ligne. Voilà, à bientôt, au revoir.